matches. We can now hand over the microphone. Thanks to all the technical staff here. As we have a review of highlights of this match, we want to thank the entire technical staff out here. We'll have to put this event together. And those of them back in the nation's capital, Yaoundé, all the efforts put in from top to bottom, bottom to top. It's all been a great day here in Limbe. Short only of a victory. But hey, Evelyn, don't you forget that it could have been a defeat for Cameroon. So a draw too can also be welcome, even though Cameroon's chances of qualifying now are now something like walking a tightrope. Coming in that Nigeria defeated Algeria by 2-0. So that puts Nigeria 6 points, Algeria 3 points, Cameroon 2, and Zambia 1. Uphill task, therefore, for the Cameroon team in terms of qualification for the finals of the World Football Cup competition. Not impossible, but quite an arduous task henceforth. Le Nigeria, donc, au terme de cette deuxième journée des qualifications pour Russie 2018, qui conforte donc son avance. Le Nigeria qui s'est envolé avec ces résultats que vous nous donnez, Fon Etchekié, de la rencontre entre le Nigeria et l'Algérie. 2-0 pour le Nigeria. C'est donc encore jouable pour les Lions indomptables pour la suite de la compétition, même si le Nigeria semble faire maintenant la course en tête. On verra bien ce que donnera la troisième journée, mais elle aura lieu après une longue trêve qui nous permettra de vivre d'abord Fon Etchekié, la CAN 2017 au Gabon. Ensuite, reprendrons les matchs de cette phase qualificative pour le mondial de 2018. En tout cas, on a vu, en regardant les temps forts de ce match, eh bien que les gardiens de but des deux équipes se sont donnés à fond et ont offert de beaux arrêts, de belles actions pour cette rencontre entre la Zambie et le Cameroun, rencontre qui s'achève sur un score d'un but partout. À vous, Yaoundé, pour la suite, en remerciant la grande équipe de la CIR TV mobilisée ici au Limbe Omnisport Stadium pour vous faire vivre cette belle rencontre. À vous.